Bonjour à tous pour cette 16e vidéo ensemble. Nous avons vu dans les 3 vidéos précédentes qu'il y a beaucoup de péchés véniels, légers, que nous pouvons vraiment facilement éviter et qui déplaisent beaucoup à Dieu, comme par exemple le mensonge ou l'injustice et tous les autres que nous avons énumérés dans les vidéos précédentes. Nous avons aussi mis en avant des moyens pour demander pardon pour ses péchés. Et j'espère que chacun d'entre vous a trouvé son moyen pour demander pardon. Et je vous invite aujourd'hui à mettre dans les commentaires de cette vidéo comment vous, dans votre quotidien, vous avez décidé de mettre en place des mesures qui vont vous permettre soit d'éviter les péchés dans le futur, soit de demander la réparation de ce que vous avez fait dans le passé. Parce que c'est quand même important de s'encourager les uns les autres en prenant des idées des uns et des autres pour pouvoir mettre en place quelque chose de concret. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous le pouvons encore. Et aussi, il est de notre devoir de prier pour les âmes du purgatoire. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prier pour les âmes du purgatoire qui ont commis les mêmes péchés que vous, pour demander leur libération et leur demander à elles de vous aider à tenir vos engagements. Nous avons également vu dans la vidéo précédente un très gros trésor que Jésus nous donne. Il nous a donné, grâce à son serviteur Saint Bernard, grâce aux révélations qu'il lui a faites, dans laquelle Jésus nous donne un moyen de nous pardonner nos péchés véniels en honorant sa plaie inconnue de son épaule, ouverte par le poids de la croix. Et pour cela, il nous faut réciter, en la vénérant, trois Notre Père, trois Je vous salue et trois Gloire au Père, tous les jours. Alors si vous n'avez pas écouté la vidéo d'hier, la vidéo jour 15, je vous invite vraiment à l'écouter. Nous avons aussi fait une vidéo uniquement sur cette révélation. Et par exemple, si vous vous êtes engagé à le faire, eh bien je vous invite à le mettre en commentaire, à écrire cette prière dans le commentaire, de telle sorte à se motiver les uns les autres. Voilà. Pour aujourd'hui, ce que je vais vous proposer comme action est de réciter un psaume ensemble pour la libération des âmes du purgatoire. C'est le psaume 51, Miserere. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges, vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête. Qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles j'enseignerai tes voies, vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion. Rebâtis tes remparts de Jérusalem. Alors, tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors, on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Voilà mes chers amis, je vous invite donc aujourd'hui comme action du jour, vu que nous avons déjà prié ensemble le psaume, à mettre en commentaire quelle action concrète vous vous engagez à faire, ou bien cette prière que nous venons de découvrir hier, qui nous a été donnée par Saint Bernard. À demain pour la suite !